Je m'appelle Mathieu Fèvre, je suis un skieur alpin en équipe de France de ski. Je suis né à Nice et j'ai grandi à Isola 2000 où j'ai appris à faire du ski alpin. Comme tous les enfants qui ont grandi à la montagne, j'ai grandi vraiment dans cet environnement montagnard avec la neige, avec les pistes, avec les remontées mécaniques. Et dès que j'ai su marcher, mon père étant moniteur de ski et ma maman étant aussi très proche du milieu de la montagne et du ski, en fait, ils m'ont directement mis sur une paire de tout petits skis. En fait, c'est vraiment le tout début de mes sensations avec la glisse. Et puis après, j'ai tellement aimé ça, je me sentais tellement bien sur ces petits bouts de bois que j'ai continué en fait à évoluer, j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à faire ce que j'aimais, ma passion. Pour moi, les Alpes du Sud, déjà, ça représente la maison, ça représente là où j'ai grandi, où j'ai découvert ma passion. Donc déjà, il y a vraiment un côté, je dirais, sentimental, mais également vraiment ce côté soleil, ce côté Côte d'Azur qui, même ici à la montagne, en fait, fait tout son charme. Et de savoir qu'on peut skier le matin et puis, par exemple, aller manger au bord de l'eau l'après-midi, c'est, je dirais, un endroit qu'on retrouve très peu dans le monde. Si je devais résumer les Alpes du Sud en un mot, ce serait se ressourcer.